Coiffeuse et artiste de coiffure âgée de 26 ans, Leborang Motong a combiné ses deux passions pour créer des portraits qui embrassent les cheveux des femmes noires. La coiffure ou tressage de cheveux est une forme d'art à part entière. Les coiffeurs utilisent différentes techniques et différents matériaux pour créer leur art. Ils doivent constamment évoluer afin de garder leur métier pertinent. Le Bohang Motong a grandi en dessinant et en s'entraînant avec les cheveux de sa grand-mère. Son intérêt pour le tressage est devenu plus fort et elle a utilisé ses compétences pour subvenir à ses besoins financiers. J'ai toujours vu ça comme une forme d'art. Je sais que je le faisais pour de l'argent, mais c'est quelque chose que j'ai aussi toujours fait pour la créativité. J'ai simplement ressenti de l'attirance pour les motifs, les textures, etc. Je suis un peu devenue obsédée par les cheveux. Même quand je regarde une personne, la première chose que j'observe, c'est la coiffure et ce qui s'en rapproche. Ainsi, Leborang Motong utilise ses compétences d'artiste et de coiffeuse pour tisser les histoires les plus extraordinaires sur les femmes noires. L'œuvre de Leborang Motong présente le lien qui existe entre les femmes noires et la relation qu'elles entretiennent avec leurs cheveux. Elle nous dit qu'elle est principalement influencée par les conversations qu'elle a eues avec certaines des personnes pour qui elle a fait des tresses, un aspect illustré dans cette pièce en particulier. Je pensais à l'attachement et au lien qui vient avec le processus de coiffure. C'est pourquoi j'ai ressenti le besoin d'avoir des visages différents, des têtes différentes qui constituent une seule et même œuvre, parce que c'est comme une sorte de sororité. Relier des tresses d'une tête à une autre représente en quelque sorte la connexion de la pensée, mais elle n'est pas son seul médium. L'artiste utilise une large gamme de supports allant de la gravure à la fabrication du papier, en passant par les dessins sur papier réalisés avec des cheveux. J'essaie également de montrer la signification du matériau réel que sont les cheveux. Je faisais auparavant des dessins au crayon et au fusain, mais je me sens plus en phase avec ceux pour lesquels j'utilise le matériau réel. C'est très important d'associer le matériau qu'on utilise au sujet traité et à l'utilisation des cheveux synthétiques et des cheveux naturels. Ils sont associés au sujet. Je pense que cela aide davantage. Le Bohang Motong a une autre expérience particulière avec les cheveux. Au lycée, il lui était interdit de se coiffer librement. Elle souligne par conséquent que son travail concerne la définition et l'expression de soi. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris pourquoi nous ne sommes pas autorisés à nous exprimer. C'est pourquoi je fais mon travail. Je choisis généralement des coiffures extraordinaires. J'ai tendance à exagérer. Même si on le voit, je sens qu'en tant que personne, on a le droit de s'exprimer comme on le souhaite. Le Bohang Motong a exposé son travail dans de nombreuses régions du pays et à l'étranger. Elle a maintenant envie d'avoir sa propre exposition. Elle travaille actuellement sur trois œuvres d'art pour la Foire internationale d'art de New York qui aura lieu en mai.